Coronavirus arrive aux Antilles. Toutes les îles autour de nous ferment progressivement leurs frontières et interdisent aux voiliers de rentrer dans leurs eaux. Il faut qu'on choisisse un endroit pour se confiner, qui soit relativement isolé pour éviter de contaminer ou d'être contaminé par les gens, et quand même à proximité de magasins pour faire des courses, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester ici. J'ai choisi de nous rendre à l'île Fourchue, à proximité de Saint-Barthélemy, parce que là nous sommes à Gustavia, il y a beaucoup trop de monde et on ne sait pas très bien ce que ça va devenir. T'es content? Tu vas pouvoir vivre ton rêve d'être seul sur une île comme Robinson Crusoe? Oui, c'est ça, on va voir si c'est aussi bien que je l'imaginais. On a choisi, nous, de se mettre au mouillage et on vient de trouver un super mouillage, joli mouillage, où là, on est bien isolés les uns des autres et je pense qu'on a peu de risques de contaminer ou d'être contaminé. C'est super, très sauvage. On est 6 bateaux dans ce mouillage. Vraiment, je pense qu'on va être tranquille. Tanto storia pan contabu. Aujourd'hui, on est à l'île de la Fourche, entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin. C'est notre lieu de confinement. Il n'y a plus que 5 bateaux au mouillage. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, 20 à 25 nœuds de nord-est, mais le mouillage est très stable et le fond très bonne tenue. Donc, comme lieu de confinement, c'est plutôt sympa. Cet après-midi, on va essayer de sortir de la réserve, parce que là, toute la baie est une réserve naturelle. On va aller sortir pour essayer de chasser. Pas mal de provisions de la transatlantique qu'on n'avait pas utilisée puisque elle avait été un peu plus courte que prévu. Donc là, on a une autonomie qui va être très suffisante pour les prochains jours. Je suis en train de faire des yaourts. J'ai tous les coffres qui sont pleins. Donc j'ai des conserves partout dans les fonds encore. Et aussi sous les banquettes, j'ai 3 coffres comme ça remplis. En électricité, on va avoir l'autonomie par rapport à l'éolienne et on a un générateur. J'ai une petite machine à laver et puis l'eau, on a un désalinisateur. Donc là, c'est exercice sportif par temps de confinement. Pour vaincre l'ennui lié au confinement. Si je tombe, premier hôpital, il est vachement loin. Donc si je me fais mal, ça va être tant pis pour ma pomme. Toujours en confinement, là, comme c'est une île désertique, pour téléphoner, on est obligé d'aller en haut des montagnes pour avoir plus de réseau. Et là, François est en train de bricoler une antenne pour qu'on puisse recevoir la radio et être tenu au courant des nouvelles. Ça marche pas, justement. Du matériel de fortune. Même France Inter, on n'arrive pas à l'avoir. Je fais comme il faisait dans mon service avant, quand on n'avait pas d'antenne télé, on bricole des trucs avec de la cuisine, mais moi j'y arrive pas. Eux y arrivaient bien, moi j'y arrive pas. On peut pas savoir tout faire, hein. Alors, du coup, on est un peu isolé. Enfin, c'est pas que ce soit désagréable, hein, mais bon, on aimerait bien savoir ce qui se passe quand même. Voilà la solution finale adoptée. Au bout d'une semaine de confinement, il ne reste que 3 bateaux au mouillage avec nous. On se sent vraiment seul, mais du coup bien protégé. On vient de descendre à terre là pour chercher du réseau Wi-Fi
avec les téléphones, on va monter sur une montagne en fait pour essayer de vous envoyer des vidéos. Parce qu'à partir du bateau, on n'a pas du tout de réseau. Ouais, là, ça, je pense que ça devrait pouvoir le faire. On a un peu de 4G en tout cas. Je ne sais pas si on aura assez de débit, mais on va essayer. Le gouvernement préconise le télétravail. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, du télétravail à l'extérieur, en pleine nature. Ça suffit pas pour... T'as que de la 3G ? Ouais. On va essayer peut-être de se connecter sur Orange, mais... Ouais, c'est pas facile de travailler. J'ai des fois l'ordinateur qui se ferme avec le vent. Là, ça y est, j'ai une connexion, j'ai réussi à faire ma miniature et là, je suis en train de vous envoyer un petit message et puis une vidéo. Mais c'est vrai que le télétravail, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour télécharger ? On se retrouve à l'âge de pierre pour vous envoyer un peu de soleil et de mer. Vraiment, c'est qu'on vous aime. Allez, bisous à tous.